amis, bonjour. Je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur un problème vraiment dangereux, très 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 dangereux même. Ça peut niquer le joint culasse et le moteur même. La surchauffe de la voiture, la surchauffe de vos moteurs. Je vais vous montrer comment vérifier vos ventilateurs. Là, il est démonté la face avant, mais c'est pas grave. Quand vous l'avez monté, il faut y aller en dessous de la voiture là et vous montrer. Il faut y aller en dessous de la voiture, vous allez voir ces fiches là. Vous allez voir ces fiches du ventilo. Là, vous avez un petit et un grand. Le petit, c'est pour la clim. Le deuxième, c'est pour le moteur, pour refroidir le moteur. On est bien d'accord. Le petit, c'est pour la clim. Quand vous mettez votre clim, lui, il s'allume. Pour refroidir qui? Ben, le compresseur. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement cons qu'ils disent, ouais, celui-là, c'est pour les moteurs, les deux. Mais non, le petit là, c'est pour la clim. Quand tu mets ta clim, pourquoi le ventilo, le petit, il s'allume? Pourquoi? Ben pour refroidir ton compresseur, puisqu'il est là, ton compresseur. Et le petit ventilo, il est à côté. Les ingénieurs de mes couilles là, ils n'ont pas mis le compresseur derrière le moteur. Ou ils l'ont pas mis, je sais pas, en bas là-bas. Ils l'ont mis ici en face, à côté du petit ventilo. Comme ça, quand tu mets ta clim, le compresseur, pour qu'il évite de surchauffer, eh ben, le ventilo, il le refroidit. Le petit, on en parle. Celui-là, il est géré par la sonde là. Il y a une sonde ici de température. Il y a une autre sonde là-bas de température qui est derrière la pipe d'eau. Donc, qui sont gérés les deux là par un petit relais qui est ici en dessous de la batterie, en dessous du longeron là. Il est là, celui-là là. Donc tes ventilos là, ils sont arrêtés là. Ils attendent l'ordre. L'ordre de qui? L'ordre du relais pour qu'ils s'enclenchent. Surtout celle-là du moteur. Donc, pour que le relais il marche, pour qu'il donne l'ordre à eux là, il faut que les sondes de température marchent bien. On est bien d'accord là. Là, je vous explique le principe, le fonctionnement du ventilo. Comment il marche? Il marche pas comme ça. Hein? Non. Il est géré par le relais. Et le relais, il est géré par la sonde. On est bien d'accord. Donc, toi, ton moteur, quand il est chaud, quand l'eau, liquide de refroidissement, il circule bien dans le circuit là, il est chaud. Quand il atteint une température, 100 ou 115 degrés, ou 107 degrés, ou 117 degrés, je crois. Donc, qu'est-ce qu'il fait la sonde? La sonde là-bas, là, dans le moteur là, elle informe celle-là. Elle informe celle-là. Celle-là, elle est reliée par une prise. Je vous la montrer. Cette sonde, pareil, dès qu'elle détecte que l'eau, elle a bien atteint la température, bien bouillante, qu'est-ce qu'elle fait? Vous avez vu, c'est électrique. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne l'ordre. En fait, elle informe le relais ici. Elle informe. Elle lui dit, ouais, oh, l'eau, elle est chaude. Hein? Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait rapidement? Voilà qu'il y a les fiches là. Ces fiches-là, ils vont ici, en bas. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va donner l'ordre à déclencher le ventilo du moteur. Première vitesse, c'est un peu long, comme ça. Si le moteur vraiment il surchauffe, qu'il arrive vraiment à 120 degrés, là c'est dangereux, il se met en deuxième vitesse, comme vos essuie-glaces. Première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse. Quatrième, c'est vraiment comme ça, quoi. Donc, lui, il donne l'ordre au ventilo pour qu'il tourne. Vous avez compris? Alors, votre ventilo, il tourne, il va refroidir le moteur. Une fois que cette sonde et l'autre sonde, elle détecte le liquide de refroidissement qui l'a refroidi, elle dit quoi à lui là, au calculateur, le petit relais? Elle lui dit, oh, c'est bon, tu arrêtes. L'eau, elle est froide. Bon, elle est tiède. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va donner l'information à eux. Il va leur donner l'ordre de s'arrêter. Donc, votre ventilo, il s'arrête. Et ainsi, comme ça. Une fois que l'eau, le liquide, il surchauffe, la sonde là-bas de température, elle donne l'ordre à lui. Elle informe. Elle informe. Elle dit que le liquide de refroidissement, il est vraiment chaud. Lui, il ordonne le ventilo de s'allumer. Bon, vous avez compris le principe des sondes. Maintenant, si vous avez, parce que moi j'ai eu un joint culasse, vous imaginez, et même la culasse foirée, tordue, déformée, à cause de quoi? À cause de ce relais. À cause de ce relais. J'ai eu un joint culasse par rapport à ce relais des merdes. Pourquoi? Parce que mes sondes, moi, ils fonctionnaient. Moi, mes sondes, elles fonctionnaient. Donc, je prends la route, il est tout tranquille, je roule, hop, l'eau elle chauffe. L'eau elle chauffe parce que le moteur il tourne. Tac, 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 tac. La thermostat elle s'est ouverte, donc l'eau elle continue à circuler dans le chauffage là-bas, partout là. Donc qu'est-ce qu'elle m'a fait là? Cette sonde elle a informé l'autre sonde. Elle lui a dit, ouais, l'eau elle est chaude. L'autre sonde elle a informé lui là, ce fils de pute là. Ce relais là.
Elle a dit, ouais, oh, l'eau, elle est chaude. Il faut vraiment que tu réagisses. Donc lui, il n'a pas réagi. Il était cramé. Il n'a pas informé les ventilos de se déclencher. Donc, le ventilo, lui, là, il est pour rien, le pauvre. Lui, c'est un plus et c'est un moins. C'est tout. Il est rien. Donc, il attend quoi? Il attend juste l'ordre du relais. Mais le relais, le bâtard, là, il lui a pas informé que le moteur il était chaud, que l'eau était bouillante. Donc, les ventilos, ils étaient arrêtés comme ça. Je continue à rouler. J'ai eu une température à 130 degrés. Bim, joint culasse. Quand j'ai fait mon diagnostic moi-même, j'ai cherché pourquoi j'ai eu un joint culasse, pourquoi la voiture elle a surchauffé. J'ai fait mon diagnostic, j'ai vérifié mon thermostat, elle marchait. J'ai vérifié ma sonde, elle marchait. J'ai vérifié l'autre sonde, elle marchait. J'ai vérifié lui, là, ce connard-là, il marchait. Ah, il marchait pas, pardon. Ah, j'ai dit d'accord, c'est toi qui coûte 15 euros 20 balles. Il m'a coûté une culasse et un joint culasse. Et encore, on n'en parle pas de la main-d'œuvre parce que je suis mécano. Bref. Donc, je suis venu tester les ventilos. Le ventilo, il marchait. Mes sondes, il marchait. Je dis, mais pourquoi il a surchauffé? C'est pas possible. Le ventilo, il marche. Je l'ai testé. Je vais vous montrer. C'est pour ça le tutoriel, il est fait pour ça. Comment tester vos ventilos. Et du coup, je me suis dit, le ventilo, il marche. La sonde, elle marche. L'autre sonde, température, elle marche. Comment ça se fait qu'il ne s'est pas déclenché? Alors, c'était lui. Bref, je l'ai changé. Et des fois, attention, attention, c'est l'inverse. Des fois, vous avez tout qui marche. Sonde, nickel, neuf. Sonde là-bas, neuf. Le relais, neuf. Il n'y a pas de problème. Mais quand lui va ordonner le ventilo de se déclencher, ben lui, le pauvre, tellement il est périmé, il a craqué, il est mort. Mais elle ne va pas se déclencher. Pourquoi? Parce que ici, là, on a un moteur électrique, comme les moteurs des frigos. Donc, s'il est graillé, mon vieux, s'il est grillé, là, s'il est grillé, même si lui, il dit, oh, enclenche-toi, ben lui, il va dire, je m'en bats les couilles. L'autre, il va lui répéter, oh, il faut s'enclencher, là, parce que l'eau, là, elle monte en température. Lui, il va dire, non, mais je m'en bats les couilles, là, je dors, arrêtez de me déranger. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le ventilus ne se déclenche pas. Surchauffe du moteur, joint culasse et culasse. Foutu. Tu vois? C'est pour ça que je vous fais cette vidéo maintenant, pour vous montrer comment tester vos ventilateurs avant de prendre la route, surtout quand vous allez en vacances, les amis. Surtout quand vous allez en vacances. C'est pour ça, les amis, je vais vous expliquer comment tester ces ventilos de merde avant de prendre la route pour y aller en vacances. Voilà. Parce que quand vous allez en vacances, vous allez sûrement taper des kilomètres. Donc, si vous faites la ville, ça va. Vous tombez en panne, vous êtes dans la ville, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous dépanner en garage ou n'importe. Mais quand vous prenez la route d'Espagne, mon gars, moi je vous le dis, je le fais depuis 2005. 2250 km, je le fais chaque année. Je t'en parle pas. Tu as intérêt d'avoir des bons ventilos, des bons sons de température, tout le circuit là. C'est pour ça qu'il faut que tu vérifies avant d'y aller prendre la route. 1200 km de conduite au volant, c'est pas donné, je te le dis. C'est pas Toulouse, mon pays. Okay? Donc, quand le bloc là, la face avant, elle est en face, elle est sur place, c'est pas un problème. Tu vas en dessous de la voiture. Tu débranches ces fiches-là. Tu prépares ta batterie. Tu prends juste deux fils comme ça. Là. Parce qu'ils sont branchés. Mais sa mère, le calculateur est débranché. Donc, c'est simple. Hein? C'est pas compliqué. Tu prends le plus et le moins. C'est des fils. Hein? Ça, c'est juste des fils. Pour prendre des fils de poste autoradio, peu importe. On s'en fout. Donc, comme je t'ai dit, tu prends la prise là. On va tester d'abord le petit ventilo de la clim. Tu vois, le petit ventilo de la clim aussi, s'il grille, il va plus refroidir votre compresseur de clim va se réchauffer, il va griller. Le compresseur de clim, ça coûte 200-250 balles. Donc on va commencer par la prise de celle-là. C'est celle-là. Ici vous avez trois fils, marron, rouge noir, rouge blanc. Ce qui nous intéresse nous déjà. Le marron, c'est toujours le moins. Tu fais comme ça. Et là, tout au fond, là, le rouge et noir. De toute façon, c'est pas grave, même si tu fais comme ça. Déjà, il faut repérer le marron. Après, si tu testes sur les deux, c'est pas grave. Ça va pas griller, inquiétez pas. Donc, tu fais comme ça, tu fais le premier, ça marche pas. Hop, tu vois, ça marche là. Tu vois, ton ventilo, tu es sûr qu'il marche. Voilà. C'est très simple. Le moins, sur la prise. Le plus ici, là, sur le rouge. Hop.
Ventilo, clim, il marche. Regardez-moi ça, lui, là. C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo, parce que lui, il est HS. L'intérêt de la vidéo, parce que lui, il est HS. Vous avez vu, là, j'ai testé le ventilo de clim, il marche. On va prendre la prise de lui, là. Pareil, le marron. Le marron, le moins, vous voyez, là, on est bien d'accord. Le plus, regardez, ça marche pas. Regardez, ça marche pas. Ça marche pas. Je reprends le petit là. Tac, rouge. Le moins. Celui-là, là, c'est un fils de pute. C'est pourquoi c'est un fils de pute? Il est grillé. Donc s'il est grillé, le mec il connaît pas, il va croire que son moteur il est nickel, tout marche. Lui, il marche pas. Donc, il va faire de la route. Qu'est-ce qui se passe, mon ami? Le moteur va surchauffer. Les cendres, ils vont enformer le relais pour que lui, il enforme lui à se déclencher. Sauf que lui, il va l'enformer, que lui, il n'a rien à foutre, il est grillé. Surchauffe, joint culasse. Je vous conseille, quand le moteur, il dépasse la température du 90, arrête le moteur. Tu roules pas. Arrête. Tu continues à rouler. C'est ton problème. Tu vas niquer ton joint culasse. Quand elle te dit stop la voiture, stop, arrête. Laisse refroidir et tu peux continuer encore un petit peu. Tu t'arrêtes, tu refroidis, tu continues. Voilà, vaut mieux faire comme ça, perdre du temps, que tu continues à rouler. Ça te pète le joint culasse. J'ai pris un exemple ici, là. Du ventilo du TDI 150. Juste pour vous montrer la différence entre celui qui est HS et celui qui marche. Donc ça c'est un ventilo, tu vois. Moi j'ai toujours des pièces chez moi. Donc il n'y a pas de souci. Je prends le faisceau de lui là, le petit. Donc le noir, ah pardon, le marron, c'est lui. Le marron, la masse. Et lui. Oh putain. Ah mais au moins il marchait. C'est un ventilo de char, ça c'est un ventilo de... Parce qu'il n'est pas bien fixé, c'est pour ça. Donc au moins vous avez vu que ça marche. On recommence. Tu vois, ça marche. On va passer au gros. Le gros il est là. Pareil, le marron, le rouge. Le marron c'est la masse. C'est lui là. Regardez par rapport à l'autre qui ne marchait pas. Et attention quand vous testez, attention vos doigts et attention au fil qui se met pas dedans. Donc sécurisez bien les lieux, comment on dit. Donc tu vois là quand mon fil là il passe, c'est pas bon, c'est dangereux. Donc tu fais ici le moins sur la prise. Hein? Oui. Ouais, c'est bon. Voilà, ça marche. Ça marche, ça marche. Donc, vous avez vu les amis, celui-là il marche pas. C'est pour ça que je vous dis de tester comme j'ai fait avant de prendre la route. Au moins vous aurez le temps de le changer. Tu vois, s'il marche pas, t'as le temps de le changer avant de prendre la route. Mais si tu prends la route comme ça, que ton ventilo ne marche pas, adios le joint qui lasse. Adios le joint qui lasse, mon ami. D'accord. Moi celui-là, ce que je vais lui faire, je vais pas le jeter. Donc comme je disais, lui il marche pas, hein? Vous avez vu qu'il marche pas. Ben moi vous me connaissez. Putain, le moustique de sa mère la chienne. Je l'ai niqué sa mère la pute. Voilà. Tu vois là, lui là, ce que je vais faire moi là, en mode statam, ben je vais l'ouvrir, je vais le désosser. Je vais ouvrir ce moteur là et vais voir si je peux le réparer. Si je le répare, je le revends. Je ne vais pas le jeter. Si je vois que c'est vraiment mort, 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 ben poubelle. Donc cette vidéo elle est finie les amis pour le moment. Ce que je vais faire moi après, je vais le désosser et je vais essayer de le réparer. Trois boulons de Torx ici, je le sors après, j'attaque ici là, le bloc là, celui-là, ce port là en croix,
Et après, je démonte ici les trois vis de 10, je sors le moteur, je vois comment je vais faire pour l'ouvrir, parce que là, il est riveté. Mais t'inquiète pas, marteau et burin, ça sera réglé. Voilà les amis. Ah bien.